deux groupes qui se revendiquent de l'UDPS et du PPRD. Pour le Premier ministre, l'expérience d'un tout premier gouvernement de l'alternance devait enseigner. L'exécutif central préserve son unité et lance un appel au calme. En toute responsabilité, le gouvernement promet de faire respecter l'état de droit. Le Premier ministre a décidé de dépêcher à Kolwezi une mission d'information pour connaître les réelles motivations. Que se passe-t-il à l'ONAPAC, entendait Office national des produits agricoles du Congo. Le comité de conjoncture réuni cette semaine sous la direction du Premier ministre a fait le tour de la question. Dans le compte rendu, le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Baudouin Mayo l'a mentionné. Il a été également débattu les augmentations décidées par le gouvernement au bénéfice des agents et fonctionnaires de l'État. Cernant la question du nombre important des arrêtés pris par le gouvernement précédent, la ministre de la fonction publique a été instruite. Vu la pertinence des matières, quatre ministres étaient invités à cette rencontre hebdomadaire. Il s'agit du ministre des petites et moyennes entreprises, celui du développement rural, la ministre des affaires sociales, la ministre de la fonction publique et son collègue de l'agriculture. Un compromis a été trouvé. Le caucus des élus de la province du Tanganyika avait, lors de la première rencontre avec le chef du gouvernement, mis sur la table la liste des problèmes qui, selon eux, freinent le développement socio-économique de ce coin du pays. Après échange, il a été convenu que ces préoccupations seront solutionnées dans le cadre du budget de l'État 2020. À cette nouvelle rencontre, le Premier ministre a invité les membres de son gouvernement et certains mandataires des entreprises publiques dont les portefeuilles sont concernés par des problèmes soulevés. Selon le président du caucus des députés nationaux et sénateurs originaires du Tanganyika, Martin Kabwelulu, la sécurité c'est la principale priorité identifiée par les élus du Tanganyika. Ils l'ont dit au Premier ministre. Après deux semaines d'âpres négociations entre le FMI et la RDC autour d'une facilitation d'octroi des crédits et de l'octroi de financement du programme économique du gouvernement, le Conseil Afrique de cette institution financière internationale vient faire le rapport au chef du gouvernement. La mission, comme certains rapports nationaux, a cerné quelques actes qui ont fragilisé l'économie. Le rapport indexe la période de la transition politique et certaines nouvelles décisions. La vision du chef du gouvernement est de négocier dans l'intérêt avantageux du pays. Les efforts fournis pour le redressement sont salués par le FMI. C'est sous cet angle qu'un accord de principe de facilitation d'emprunt a été trouvé entre le FMI et le gouvernement congolais. La délégation du fonds, en fin de mission à Kinshasa, va le présenter au conseil d'administration à Washington. Le conseiller au département Afrique, Mauricio Villafuerte, l'a annoncé au Premier ministre congolais. Et d'ici à mi-décembre, les deux parties pourraient sceller un nouveau départ. La semaine qui s'achève a été celle du contact du Premier ministre avec les Fauves avant de livrer le match du jeudi 14 novembre contre le Gabon. Match comptant pour les éliminatoires Cannes-Cameroun 2021. Le sélectionneur national Sengui Biembe Christian, entouré de tout le staff technique, supervise la séance d'entraînement vespérale, ont apprécié le soutien du numéro 1 du gouvernement. À l'image d'un père, le professeur Ilunga conscientise la troupe. Le sport est un facteur de rassemblement d'un peuple. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre des Sports, de la ministre près le Premier ministre et du vice-ministre des Finances. En mission à Kinshasa, le ministre suédois de la coopération internationale au développement vient rassurer le Premier ministre du soutien total du Royaume suédois à la République démocratique du Congo. Le pays scandinave va apporter son soutien à la promotion des valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme en RDC, a indiqué Peter Eriksson. La Suède exprime le désir d'accompagner le gouvernement Ilunkamba dans la recherche de ressources nécessaires pour la réalisation des différents projets. Cela va se manifester par le renforcement de la collecte des impôts et du secteur de la justice. La poursuite des grèves des enseignants du primaire et du secondaire est à risque de perturbation du calendrier scolaire. Réunis en conseil des ministres sous la direction du Premier ministre le vendredi 15 novembre, le gouvernement de la République estime que certaines prises de position de hauts responsables confessionnels entendues ces derniers jours ne sont pas de nature à calmer la situation.
Concernant les missions officielles, elles peuvent être effectuées dans le cadre de ce qui a été prévu dans le budget, sauf instruction du président de la République. Tel en a décidé le Premier ministre. Les missions officielles doivent avoir pour but la recherche des financements ou la mobilisation de recettes de l'État. Les membres du gouvernement doivent privilégier les missions à l'intérieur du pays par rapport aux missions à l'étranger. Au sujet des instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la cohésion, le chef du gouvernement a rappelé à ses ministres que lorsqu'on entre au gouvernement, on n'a pas de couleur politique parce qu'on se met au service de la nation. Le gouvernement doit être dans l'environnement actuel l'amortisseur des tensions et non le relais de celles-ci. De la Poste, j'ai confiance à ses services. La Poste, aujourd'hui, pas comme hier. Rien ne remplace la Poste. L'office de gestion du fret multimodal OGFREM s'apprête à ouvrir une antenne à Butembo vu l'intensité de l'activité économique qui s'y déroule. Le directeur général de l'OGFREM, Patience Aïba Tamboué, qui est en itinérance dans la région, y est arrivé pour en cerner les contours. Par devoir, il s'est fait recevoir par le maire de la ville de Butembo pour lui présenter ses civilités. Ensuite, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, section Butembo, qui dirige Polycarp Ndivito, le conduit jusqu'à ce qui sera le Business Center, un bâtiment de 7 niveaux en construction. Visite terminée, le directeur général de l'OGFREM s'est lancé dans deux réunions marathon au siège de la FEC. La première avec les déclarants en douane, la deuxième avec les opérateurs économiques. Deux assistances conquises par le speech de Patience Aïba Tamboué sur les réformes et il a promis une assistance au chargeur, c'est l'une des missions principales de l'OGFREM. Au-delà d'être entendu, nous avons été compris. Et nous aussi, à notre tour, nous avons entendu et nous avons compris. Et c'est pourquoi nous avons décidé de la relance imminente des réunions du comité de facilitation que préside la FEC et dont l'OGFREM assure le secrétariat. Et j'ai aussi annoncé, non seulement à la CAD et aux opérateurs économiques de Butembo, l'ouverture imminente des bureaux de l'OGFREM ici à Butembo pour assurer une assistance de proximité aux chargeurs, ça veut dire importateurs et exportateurs de Butembo. Lorsque l'on s'est fixé comme cap, participer à la maximisation des recettes aux frontières, le repos est un luxe que Patience Aïba Tamboué croit ne pas pouvoir se permettre. Sous la pluie, à bord de sa Jeep 4x4, il a atteint Béni dans la soirée. L'association congolaise des commissionnaires agréés en douane, ACAD, section de Béni, l'attendait. En tribun rompu, le directeur général de l'OGFREM a fait vibrer la fibre patriotique des déclarants en douane qui se sont rangés derrière sa démarche, Ferry, Ferreux et AD, indispensables pour toutes les transactions. Ce n'est pas le président de l'association congolaise des commissionnaires agréés en douane, ACAD, section de Béni,
qui nous contredira. Nous sommes très contents parce que, avec son équipe, avec sa délégation, il vient de nous renchérir, il vient de renforcer notre connaissance par rapport à son service. Nous lui promettons que nous allons mettre tout ce que nous venons d'apprendre, d'écouter auprès de ses services. Nous allons le mettre en pratique pour que, ensemble, nous puissions bien faire notre travail. Et pour l'intérêt de toute la nation et le Congo en général. Patience Aïba Tamboué a un canevas de rencontres bien calé dans chaque localité où il foule les pieds. Béni n'a pas fait exception. Une ville très chargée d'histoire et de souvenirs pour le directeur général de l'OGFREM qui a rencontré le maire de Béni, Nyuni Bwanakawa. Les civilités sont pleines d'émotions. Donc pour moi, fouler le sol de Béni, ça me rappelle beaucoup de choses, ça me rappelle mon enfance. Dieu est grand. Partir d'ici jusqu'à Kinshasa, devenir directeur général, tout est à l'honneur de la ville de Béni. Pour moi, c'est une grande émotion. Sans répit, le manager de l'OGFREM a échangé avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, section de Béni. Comme partout où il est passé, des particularités se sont fait remarquer. Les opérateurs économiques de Béni ont des problèmes qu'ils ont exposés. Habitué à ce genre de rencontres, le directeur général de l'OGFREM, Patience Aïba Tamboué, estime que la somme de ses plaintes lui permet de proposer une solution globalisante. Chaque localité a sa particularité. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me limiter à Goma. Il fallait que je vienne jusqu'à Béni, sachant qu'ici, effectivement, il y a des particularités. Et ces particularités, nous allons aussi les prendre en charge et les intégrer, effectivement, dans la solution globale à trouver. Mais je suis quand même heureux d'une chose, c'est que la FEC de Béni est tout autant dynamique que celle de Boutembo. Et je pense que c'est une fierté parce que ça facilite la tâche à l'OGFREM. Après un travail si laborieux, le directeur général de l'OGFREM a puisé dans ses réserves d'énergie, mais avec plaisir, pour parler aux agents et cadres de l'OGFREM de la sous-direction de Béni. Leurs problèmes, les solutions à y réserver, sont dans les tours de manche de leur directeur général, Patience Aïba Tamboué. Pas encore au bout de sa mission, le DG de l'OGFREM a repris son vol pour la ville de Goma, avant bien sûr de nouvelles localités où sont les chargeurs, ses principaux partenaires. Le 20 octobre 2015, à la suite d'une décision courageuse du gouvernement congolais, celle de répondre aux cris de détresse de la population, jadis confrontée aux difficultés du transport aérien, la compagnie nationale d'aviation Congo Airways voit le jour. Aujourd'hui, 4 jours pour jour, soit du 20 octobre 2015 au 20 octobre 2019, Congo Airways, ses léopards volants, s'est imposé comme les géants dans les domaines du transport aérien en République démocratique du Congo et s'est révélé la réponse aux cris de la population congolaise, longtemps contrainte de se plier aux caprices des tenanciers des compagnies privées d'aviation qui ravageaient les petites économies des paisibles citoyens. Un ouf de soulagement, même pour les opérateurs économiques qui, jadis, en plus des multiples tracasseries dont ils étaient victimes, de la part de ces opérateurs véreux de l'aviation, peinaient à fluidifier leur trafic compte tenu de l'enclavement des centres commerciaux. Et comme pour donner un signal fort de sa détermination à accompagner les léopards volants dans sa mission d'unifier les Congo pacifiés, le nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fruit de la première alternance pacifique au sommet de l'État, effectue sa première tournée dans les Congo profonds à bord du régulier des Congo Airways. Lorsque j'ai accepté la demande de Rwandair de pouvoir aussi avoir des escales chez nous, c'était dans le but de booster notre compagnie nationale. Parce qu'à ce moment-là, on avait une concurrence très proche, juste à côté, et ça allait booster donc notre compagnie. Je ne le perds pas de vue, je suis très au fait de la situation. Je sais qu'il y a eu énormément de problèmes dans Air Zaïre, puis LAC et aujourd'hui Congo Airways, mais le but est de redorer le blason de notre compagnie aérienne nationale et je m'engage dans ce combat-là, en tout cas, je ne baisserai pas les bras. Sur les terrains, les géants de l'aviation congolaise ne ménagent aucun effort et restent à l'écoute de sa clientèle pour répondre aux attentes de celle-ci. C'est là
grâce aux 5 piliers de base dont Congo Airways a fait sien, à savoir la sécurité, la satisfaction de la clientèle, l'intégrité, la fiabilité et le professionnalisme. Quoi de plus normal que les nombreux passagers nettaristes des loges sur Congo Airways. Notre souhait est que Congo Airways puisse augmenter d'abord le nombre d'appareils pour couvrir pratiquement toute la République démocratique du Congo. Nous voulons que ça soit une grande société comme ce fut autrefois Air Congo. Ça c'est notre souhait vraiment. On pense peut-être que dans ces 5 ans, peut-être que le Congo Airways va fêter son 10e anniversaire. On pourra avoir beaucoup d'appareils qui vont couvrir l'ensemble de nos 26 provinces. Je suis très heureuse de faire le voyage à bord et vraiment les conditions sont agréables. Et je dis chapeau à la compagnie et une bonne continuité dans l'avenir pour servir le Congo. Il faut qu'on ajoute d'autres avions. Ça devient 26 par province, un avion. Et pour le bougement, il faut agrandir l'avion. C'est quand même un grand débit, parce qu'il n'y avait pas une compagnie nationale. Maintenant, comme ça, on demande au président de la République, Fatih, de relancer les compagnies nationales. Mais j'étais impressionné par cette précision de Congo Airways. Quand j'ai acheté mon billet, on m'a dit tu voyages lundi à 8h et te voici à bord. En fait, je souhaite à ce que Congo Airways, notre compagnie, puisse également prospérer, avoir plus d'avions que d'avantages. Je souhaite joyeux anniversaire à Congo Airways. Nous aimons Congo Airways et son service qu'il est en train de rendre. Nous qui sommes ses clients, vraiment on est très contents, on est très joyeux d'être à bord de cet avion Congo Airways. Nous souhaitons que Congo Airways puisse nous donner de bonnes qualités de services. Il le fait déjà, c'est bien, mais nous voudrions avoir encore étendre partout. Pourquoi pas dans tout le pays. D'autres, rencontrés dans les différentes destinations du léopard volant qu'il s'approprie, lui souhaitent longue vie, non sans solliciter l'implication des autorités du pays pour assurer la pérennité de cette compagnie nationale qui fait aujourd'hui la fierté du Congo démocratique. C'est le cas ici en Mbandaka, ville réputée pour les francs-parlers de ses habitants où les Lingala, l'une des 4 langues nationales, s'invitent pour extérioriser la satisfaction des voyageurs. Parce que depuis le bandit, dit Lelo, nous avons plus de 60 billets. Il y a Congo Airways. On a voyagé en haut. Avant la balle, la Bali, la Bouti, nous avons voyagé quand la Congo Airways. On a amélioré l'avion, on a bon guissa, on a fait l'avion bien, il y a Minene, et là on a Bissou. En 4 ans d'existence, Congo Airways a effectué une longueur d'avance sur ses concurrents. Tenez, en plus de l'extension poursuivie de sa flotte, Congo Airways, grâce à la détermination doublée de la dextérité managériale de son comité de gestion, compte aujourd'hui parmi les compagnies aériennes de renommée internationale. Au jour d'aujourd'hui, avec la présence de Congo Airways, nous allons dans certains coins de la République qui n'avaient plus vu un avion voler depuis un bon bout de temps. Et s'il y en avait, ce n'était pas des avions nationaux. Aujourd'hui, Congo Airways est là dans l'aviation civile. Nous pouvons dire que Congo Airways a contribué énormément, énormément je le dis bien, à baisser le coût du billet d'avion dans notre lieu de résidence ou de famille en toute sécurité, en toute sûreté. Je crois que ça, c'est un plus également au niveau de notre pays.
Aujourd'hui, membre de l'IATA, les léopards volants n'entend pas pour autant dormir un seul instant sur ses lauriers. Question de maintenir les caps et toujours rester à la recherche de la satisfaction de sa clientèle. Foi de son directeur général, Désiré Balaziré, qui ne ménage aucun effort pour garder sa compagnie à l'échiquier international. Chaque jour, Désiré Balaziré Bantou fait le tour du propriétaire au siège de la compagnie. À l'aéroport international d'Ndjili, Désiré Balaziré, en homme de terrain, veut s'assurer que tout est bien fait pour rendre agréable le voyage aux clients. Retour à son bureau de travail, l'homme, loin de verser dans un triomphalisme excessif, parle du bilan quadriennal de son entreprise. Que nous avons eu donc à pouvoir obtenir notre certificat IOSA, que nous avons renouvelé. Ça, c'est déjà beaucoup de choses. Et puis ensuite, nous avons eu à pouvoir lancer les vols au niveau régional. Vous voyez, bon, ce qui n'était pas donc imaginable par le passé, mais nous l'avons réalisé. Et ensuite aussi, nous avons eu à pouvoir transporter les passagers en toute sécurité. C'était un défi et il fallait devoir le faire. Nous avons eu à pouvoir nous battre contre les ennemis du développement. Hein, parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui ne comprennent pas qu'une compagnie nationale doit exister au sein du pays. Également, qu'il faut qu'on arrive à pouvoir opérer. Il y a cette volonté qui est là. Parce que déjà, en commençant par le président de la République lui-même qui avait honoré la compagnie nationale pour ses déplacements à l'intérieur, et puis également aussi, il avait aussi soutenu la compagnie en accordant une subvention. Donc le Premier ministre et chef du gouvernement, dans le cadre de son programme au cours au moins de 5 années, il a clairement dit que la compagnie sera soutenue. Ça, c'est moi quelque chose que nous avons retenu. Et nous avons parlé avec lui et il a cette volonté de pouvoir soutenir la compagnie. Donc, à pouvoir augmenter donc la flotte d'une manière progressive. Également, nous donner les moyens pour que nous puissions arriver à pouvoir croître davantage. Nos stratégies, c'est de pouvoir d'abord donc nous focaliser toujours sur la sécurité. Et passe avant toute chose, également la fiabilité. Ce sont les deux. Et aussi, nous avons eu à pouvoir donc imprimer donc un cachet donc dans le chef du personnel, c'est l'intégrité. Parce qu'on ne peut pas arriver à donc attendre d'avoir de grands progrès si les gens n'ont pas des valeurs éthiques et des valeurs morales très fortes. Au-delà des exploits réalisés en un temps record, Désiré Balaziré reconnaît que beaucoup reste à faire en guise des perspectives d'avenir. Fort de l'accompagnement des autorités du pays, les dirigeants responsables encouragent les agents E4 à toujours rester au service des clients. Pour les clients, je le dis d'abord, donc au-delà du fait que nous sommes là pour les transporter, mais c'est leur propre compagnie. Parce que cette compagnie a été créée avec l'argent des impôts que ce peuple-là paye donc à l'État congolais. Ça, c'est donc déjà quelque chose. Ils sont là et ils doivent devoir nous demander des comptes parce que ça, c'est des propres compagnies. Et ensuite, il y a aussi une autre catégorie, donc c'est les travailleurs qui payent sa pension, qui arrivent à pouvoir économiser pour les 20 jours. Donc, il y a son argent qui est investi dans la compagnie. Ils doivent toujours continuer à prendre ces compagnies pour sécuriser le lendemain meilleur. Et ensuite, pour ce qui concerne les travailleurs, c'est une grande responsabilité d'avoir commencé la compagnie. Et il faudra qu'ils puissent arriver donc à pouvoir maintenir les standards. Parce que donc pour nous, nous cherchons donc à ce que les agents soient professionnels, que les agents soient toujours à l'écoute donc de la clientèle et que les agents puissent toujours arriver donc à travailler dans une culture qui est axée sur la sécurité. Encouragement capté 5 sur 5 par les agents E4 qui, au-delà des défis énormes à relever, promettent chacun d'apporter les meilleurs de soi pour la construction de l'édifice. Je demanderai à notre clientèle de continuer toujours à nous faire confiance. Nous sommes à leur service. Congo Airways, c'est une compagnie nationale. Ils doivent compter sur notre compagnie. Aux dirigeants responsables,
je leur demande qu'ils comptent sur nous et nous cherchons la vie, une longue vie pour cette compagnie. Votre clientèle doit savoir faire l'option. Sélectionner la compagnie fiable à l'échelle internationale. Ce que je pourrais demander, c'est une suggestion au gouvernement de soutenir cette compagnie. Surtout la politique de notre dirigeant responsable. Des services au sol, aux services à bord, en passant par les postes de pilotage, rien n'est laissé au hasard. Fort du pilier professionnalisme, Congo Airways concourt sans ménagement à la formation de ses agents pour la compétitivité. C'est une avancée qui est, moi je dirais, correcte. Parce que d'abord, au préalable, c'est une compagnie nationale congolaise où on devra effectivement retrouver la majorité des Congolais et des fils du pays dans cette compagnie. C'est vrai qu'au début, c'est tout à fait normal que nous puissions avoir des étrangers, parce que lorsque on crée une compagnie, ce sont des nouveaux avions qui arrivent, et ben les pilotes congolais ne sont pas qualifiés sur ces avions, et ben ces étrangers vont venir pour apporter leur expertise sur la formation des pilotes. Et lorsque les pilotes congolais reprennent la main de l'avion, la main de toute chose, donc voilà pourquoi on peut dire qu'effectivement il y a une avancée, on peut dire que c'est quelque chose de bien, donc c'est très important qu'il n'y ait que des nationaux. Et là, pour répondre à la deuxième volée, c'est effectivement ça aussi les objectifs de la compagnie, c'est de permettre aussi au monde de voir que nous respectons ce qu'on appelle la parité. On a une dame et elle est là à côté de moi en train de voler avec moi, et l'objectif c'est de pouvoir en avoir le maximum possible pour atteindre le quota de 30% de femmes dans la compagnie. J'aimerais bien être là pour fêter 20 ans de Congo Airways. On est encore à 4, il reste 16 ans. Et ben, les souhaits, c'est de continuer encore davantage. Évidemment, continuer à s'expandre, à avoir plus d'avions et entrer vraiment non seulement dans le Congo profond, mais aussi entrer, aller commencer vraiment l'extérieur. Et pourquoi pas atteindre le niveau où on va commencer à faire des vols sur l'Europe et également les États-Unis par exemple. Congo Airways a apporté franchement beaucoup de choses dans ma vie. Congo Airways a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Ça a changé ma façon de voir des choses, ça a changé ma façon d'appréhender beaucoup de choses dans la vie. Vous savez ce qu'on fait, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'efforts. Grâce à Congo Airways, ça m'a aidé vraiment à voir la vie autrement. Car Congo Airways, c'est une solution pour les autres. Congo Airways, c'est une solution pour le Congo. Je fais partie de la première équipe recrutée en 2015, c'est Congo Airways. Et maintenant, je suis chef à plusieurs cas. Il y a plusieurs difficultés, déjà avec les passagers. Il y a ceux-là qui tombent malades, comme vous avez vu aujourd'hui, le cas que nous avons eu tout à l'heure. Il y a beaucoup de difficultés, mais on est là quand même pour relever les défis et pour leur donner le plaisir de voyager avec nous. Aujourd'hui, avec plus de 13 destinations desservies en République démocratique du Congo, en plus de quelques-unes dans certains pays d'Afrique, dont les pays de Nelson Mandela, Congo Airways envisage desservir l'Europe dans un proche avenir. Une fierté de voir les léopards volants porter haut les couleurs nationales congolaises dans les airs africains et européens. Décidément, compte tenu de tous ces exploits qui révolutionnent l'aviation congolaise, Congo Airways ressemble aujourd'hui à cette flamme qui germe courageusement dans les jardins ténébreux du secteur du transport aérien pour y donner de l'espoir et du sourire au peuple congolais et à toute une nation, la République démocratique du Congo. Ainsi qu'en pour dire, Congo Airways, les plaisirs de voyager.
les familles Ndombele, Sokimwanda et la famille Mabangani annoncent aux amis et connaissances la mort de leur sœur, tante, nièce et mère, ainsi que leur grand-mère, Kakiatouadiko Ndombele Micheline. Le décès tient sur avenue Lukusa numéro 38 au camp Kokolo, camp des officiers, voire au commandement. Et la suite du programme vous sera communiquée ultérieurement. Le directeur général de l'Agence congolaise des presses, M. Lambert Kaboyi, a le regret d'annoncer aux agents et cadres de l'ACP le décès de M. Étienne Ngalamouloumen Kanka, rédacteur en chef. Il est mort le mercredi 13 novembre aux cliniques universitaires de Kinshasa suite à un accident de circulation. Le directeur général de l'ACP invite en outre les personnels de l'ACP à observer une pensée pieuse en sa mémoire. Le commissaire supérieur de la police nationale congolaise, assistant du commandant de l'unité de protection des institutions et autres personnalités, Antoine Lumuna Ali Bams, et la famille Lumuna et les communautés Rega et Bakwange annoncent aux amis et connaissances la mort de leur mère, tante, grand-mère, la veuve Lumuna, Maman Tabou Wankoma Anastasie. Et le programme est arrêté de la manière suivante. Mardi 19 novembre, mise en bière à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Et le corps sera exposé au funérarium Yusra. C'est sur avenue Mbolé à l'océan commune de Kalamou. La mise en terre interviendra le mercredi 20 novembre à la nécropole Tech. Mais en attendant, le lieu est sur avenue Ouagine numéro 39-41 à l'océan commune de Kalamou. Ce message est adressé particulièrement à tous les ressortissants du Maniema. Monsieur Elvis Otadende et la famille Katoka annoncent la mort de leur père, frère, grand-père et oncle, Monsieur Michel Katoka Djonga, secrétaire général retraité à la fonction publique. Il a rendu l'âme le samedi 9 novembre à la clinique Ngalema. Et la levée du corps de la morgue de la dite clinique aura lieu le vendredi 22 novembre à 11h pour la salle Kenaya sur le boulevard Lumumba, au pont Matete, à côté de l'hôpital Akram. Le samedi 23 novembre, inhumation à la nécropole Tech. Mais en attendant, les deux a lieu au domicile familial, avenue Massito numéro 18, à Debonhomme Salongo, commune de Limété. Gina Wabiwa, journaliste à la RTNC, ainsi que les familles Makwaliba et Alimassi, les enfants Alain Alimassi, Guy Alimassi, Tipo Alimassi, Bibiche Alimassi, Jolie et les autres, vous annoncent le décès survenu depuis le 5 novembre de leur mère, fille, grand-mère, tante et belle-mère, Lumba Bédié Zouzou, affectueusement appelée Maman Mundele. Elle est décédée après une maladie. En attendant, la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires prévue pour le mardi 19 novembre, le lieu a lieu au domicile familial sur la première rue numéro 311, Cité Verte, commune de Selembao. Monseigneur Louis Nkinga, évêque émérite du diocèse de Lissala et la famille Nkoumou, annonce aux amis et connaissances le décès de leur fille, sœur, mère et grand-mère, l'honorable Matankoumou Pauline. L'honorable Matankoumou Pauline n'est plus. Elle a tiré sa révérence ici à Kinshasa depuis le jeudi 7 novembre après une courte maladie. Le programme est arrêté comme suit. Mardi 19 novembre, 11h, levée du corps de la morgue de la clinique quinoise, direction résidence de la défunte, puis exposition du corps en la salle polyvalente qu'il miséricorde en diagonale de l'Izipa Chaoumba dans la commune de la Gombe. Et l'honorable sera inhumé à Mankanza, dans la province de l'Équateur. Et enfin, la famille Kimbolu a le regret d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur grand frère, papa, oncle et cousin, l'ambassadeur honoraire de l'RDC en Belgique, M. Jean-Pierre Kimbolu Moyango Walokwa. Il est mort le 15 novembre à Bruxelles à l'âge de 109 ans après une maladie. Afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparu, la famille a mis des connaissances et recueil à Kinshasa en la résidence familiale, avenue Boussoudjano, numéro 54 à Kassavubu, référence paroisse catholique Christ-Roi. Et à Bruxelles, la famille se recueille dans la salle B19, située au 17 avenue Van Bever, à 1180 Uccle. L'enterrement aura lieu le vendredi 22 novembre, toujours à Bruxelles.
Un rêve hier, une réalité aujourd'hui. La générale des carrières et des mines Gécamines reprend de plus en plus du poil de la bête, n'en déplaise à ceux qui veulent de sa disparition totale. Scrutant l'évolution de cette renaissance, le journaliste économique et coordonnateur national de l'ONG d'étoiles d'araignée, Jérôme Sekana, est monté au créneau pour fustiger le comportement de certains compatriotes qui plaident pour la chapelle des multinationales au détriment de la société nationale Gécamines. Un accord à des référendums sur l'assistance financière au titre de la facilité des crédits rapides d'un programme suivi par les services. Il a été conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international, dont une mission vient de s'achever à Kinshasa. Pour s'assurer du bon déroulement des opérations d'assurance sur le terrain, par la nouvelle société d'assurance agréée en RDC, ayant la responsabilité de redonner confiance à la population, en payant le sinistre et surtout dans un bref délai, le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, Alain Kaninda, a inspecté cette société au cours d'une série de visites d'itinérance. Le développement de ces titres et tant d'autres vous est proposé dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Patience Vumilia. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des questions économiques, des finances publiques et de dossiers de développement en République démocratique du Congo. Le coordonnateur national de l'ONG d'Étoiles d'araignée, plateforme regroupant des journalistes économiques d'investigation, a tenu un point de presse le vendredi 15 novembre dernier au centre Caritas Congo, dans la commune de la Gombe. Jérôme Sekana, Penepapa, est monté au créneau pour dénoncer toute tentative de certains compatriotes qui tentent de ternir l'image de la Gécamines qui, depuis quelques temps, renaît de ses cendres. Jocelyn Baba, Fonfou Makitu et Christian Kenina, reportage. En sa qualité de journaliste économique et coordonnateur de l'ONG d'Étoiles d'araignée qui regroupe à son sein des journalistes économiques de la République démocratique du Congo, Jérôme Sekana Penepapa a tenu ses points de presse pour expliquer à l'opinion nationale et internationale les enjeux économiques et géostratégiques qui entourent l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo. Depuis l'application du code minier révisé, qui du reste commence à produire les effets escomptés, avec à la clé l'augmentation sensible des recettes fiscales et parafiscales émanant des sociétés minières, inimaginables il y a quelques temps. Avec ce nouveau code minier révisé, a-t-il martelé, l'État congolais commence à reprendre le contrôle de ses minerais. Conséquence, la Gécamines, entreprise minière de l'État, se relève de plus en plus. Pour bref, la récupération de la mine de Kamantanda et la construction d'un grand four à la dimension mondiale, pour ne citer que cela, une parfaite illustration. C'est en ce moment précis, a-t-il révélé, que certains Congolais sapent ses efforts avec des publications erronées et orientées en faveur des multinationales pour le seul but de discréditer la Gécamines et ses dirigeants. C'est pourquoi ils tirent à boulet rouge sur leur propre entreprise publique. Les minerais qui sont exportés aujourd'hui sur le marché international sont la propriété exclusive des multinationales. Ce n'est pas la propriété de l'État congolais, sauf les minerais de la Gécamines. Donc on a intérêt que la Gécamines produise en quantité et vende sur le marché international parce que les dividendes viendront au trésor public. Dans une analyse pointue de 18 pages, ces journalistes patriotes présentent la situation actuelle de la Gécamines en la comparant avec celle d'il y a quelques années, avant l'arrivée des gestionnaires actuels de ces géants miniers congolais. Un document fouillé et documenté qu'il a voulu partager avec ses confrères chevaliers de la plume et du micro pour dénoncer la campagne de diabolisation et de dénigrement savamment orchestrée et aussi rendre compte des grands bouleversements qui s'opèrent actuellement à la Gécamines. Une vraie renaissance qui n'enchante pas certains individus qui se sont servis du sol et du sous-sol congolais en dépouillant la Gécamines et l'État congolais. In fine,
Pour ce journaliste économique qui connaît le cheminement en dents de scie de cette société d'État ces 20 dernières années, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la GECAMIN avec à sa tête son PCA Albert Yuma a réalisé beaucoup de choses, même si le chemin est encore long pour atteindre les années glorieuses de la GECAMIN, dont elle seule contribuait à 70% au budget national. Il est vrai que la GECAMIN n'est plus ce qu'elle était auparavant, vers les années 70, mais la GECAMIN a investi dans l'outil de production. La GECAMIN est en train de se relever de ses cendres. Il y a des problèmes de gestion, je l'ai décrit dans mon travail et j'ai pu faire un parallélisme avec la réflexion d'un compatriote, M. Ngoï Mouchala, qui a considéré la GECAMIN des nains, qui a dit que la GECAMIN était Yuma. Et moi j'ai dit non, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il y a quand même des signaux forts, des signaux positifs qui prouvent que la GECAMIN est sur la bonne voie. Je ne me fais pas l'avocat du diable, je ne suis pas mandaté par la GECAMIN et vous me connaissez très bien, je m'intéresse aux grandes questions du pays. Il vous souviendra qu'en 2010, j'étais à la tête de journalistes qui avaient lancé la pétition pour obliger nos députés et sénateurs à payer l'impôt. Personne ne nous avait mandaté. Nous avons réussi à bloquer la loi cadre sur les télécoms parce qu'elle était tripatouillée. Personne ne nous a demandé de le faire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à protéger un patrimoine commun. Nous tous, nous devons nous sentir propriétaires de la GECAMIN. Nous devons dénoncer ce que les multinationales veulent faire au sein de la GECAMIN. Face aux journalistes, Jérôme Sekana Penepapa a fait savoir qu'il donnait ses informations à titre individuel, car tout Congolais a le droit de protéger les patrimoines nationaux. En plus, a-t-il fait savoir, l'ONG des toiles d'araignée, au regard des textes qu'il écrit, a reçu la mission de combattre les antivaleurs de tout genre et en même défendre la cause nationale. Après Bruxelles, en septembre dernier, l'opération séduction se poursuit sur la sphère internationale pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à Paris en marge du Forum pour la paix organisé dans la capitale française. S'agissant des rendez-vous du donner et du recevoir en ce qui concerne la paix et le développement durable, le président de la République française, Emmanuel Macron, a promis d'accompagner le président Tshisekedi dans ses projets visant à améliorer la vie des Congolais, notamment en matière éducative. Paris a promis à Kinshasa une enveloppe de 15 millions d'euros pour soutenir le projet de gratuité de l'éducation de base, particulièrement la formation des enseignants. La France s'engage aussi à échanger des renseignements et s'investir dans la coopération militaire pour éradiquer les groupes armés qui écument la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ainsi, après son escale à Paris, le chef de l'État s'est envolé pour l'Allemagne, première puissance économique européenne, où il a rencontré le président allemand et la chancelière Angela Merkel, ainsi qu'une centaine d'opérateurs économiques membres du patronat allemand. Les hommes d'affaires allemands ont voulu non seulement obtenir des informations sur les perspectives entrepreneuriales en République démocratique du Congo, mais aussi obtenir des assurances du chef de l'État sur l'assainissement du climat des affaires au pays. Le vendredi 15 novembre 2019, le chef de l'État a été reçu par la chancelière Angela Merkel, qui a salué l'alternance démocratique en République démocratique du Congo et a marqué les débuts d'une nouvelle ère de coopération bilatérale entre Kinshasa et Berlin et qui, in fine, conduiront dans le mois qui suivent une équipe gouvernementale congolaise à Berlin pour faire un état des lieux de ces relations bilatérales redynamisées.
Le ministre des Finances, José Séléiel Agouli, a présidé une réunion avec la délégation du Fonds monétaire international venue à Kinshasa pour négocier un accord de facilité rapide de crédit en vue d'aider le gouvernement congolais à conforter le matelas de réserve internationale et assurer la stabilité du cadre macroéconomique. C'était le vendredi 15 novembre 2019 au cabinet de travail de l'Argentier national. Didi Mavambou et Étienne Koumba pour le reportage. Après plusieurs années de rupture, la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international tendent vers la reprise de la coopération structurelle. Mauricio Villafuerte, qui a été à la tête de la délégation du FMI, est allé faire auprès du ministre national des Finances, José Séléiel Agouli, la restitution de la mission de l'institution de Bretton Woods arrivée à terme ici à Kinshasa. Le FMI a échangé avec les autorités congolaises sur la possibilité d'aboutir à un accord de facilité rapide des crédits basé sur un programme de référence. Nous avons été ici pour négocier un accord de facilité rapide des crédits et un programme de référence pour aider le gouvernement à augmenter, à renforcer les réserves internationales et assurer la stabilité macroéconomique. Nous avons fait, je peux dire que nous avons achevé un accord sur les politiques qui doivent être appliquer pour assurer la stabilité macroéconomique. Renforcer les réserves internationales et assurer la stabilité du cadre macroéconomique, voilà les indicateurs sur lesquels devrait s'appuyer l'aide du FMI au profit de Kinshasa. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête du pays, les discussions entre la RDC et le FMI ont changé de ton. Nous sommes pas très loin d'une reprise de coopération structurelle, mais Kinshasa devra avant tout respecter scrupuleusement les réformes mises sur pied pour assainir le secteur des finances publiques. Rendez-nous à présent à la primature pour découvrir ce qu'a été la semaine du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Les détails sont dans ce condensé. Le rétablissement de la paix et de la sécurité à travers le territoire national est l'une des priorités du gouvernement Ilunkamba. C'est préoccupant de derniers incidents qui ont opposé les militants de l'UDPS à ceux du PPRD à Kolwezi dans la province de Lualaba. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a convoqué le lundi 11 novembre une séance de travail à l'intention des membres du gouvernement et autres responsables des services de sécurité. Au cours de la réunion, les chefs du gouvernement a levé l'option pour dépêcher une mission gouvernementale à Kolwezi. Objectif, s'enquérir de la situation, prévenir d'autres conséquences et même établir des responsabilités sur ces incidents. Quelques heures après, le Premier ministre a échangé avec le caucus des députés nationaux et sénateurs originaires de cette province. Sylvestre Ilunga les a invités à travailler avec le gouvernement pour maintenir la paix, l'unité et la cohésion entre les communautés vivant dans le Lualaba. Message reçu 5 sur 5 par ses élus qui se sont dit prêts à relayer le message du chef du gouvernement à la base afin d'éviter les actes de violence dans leur province, poumon de l'économie congolaise. Le mardi 12 novembre, le membre permanent du comité des conjonctures économiques et d'autres membres du gouvernement invités ont, avec le chef du gouvernement, examiné la situation du cadre macroéconomique du pays. À en croire Jean-Baudouin Maillot, vice-premier ministre en charge du budget, la semaine a affiché une stabilité. Il faut relever si heureusement que tous les indicateurs sont stables, tant au niveau de cours de change qu'au niveau de cours de nos principales matières premières.
malheureusement, quelque peu, nous ne profitons pas de cette stabilité au niveau des recettes. Il y a donc un effort à fournir à cet égard-là. Nous avons examiné aussi la note qui concerne le secteur minier. Là aussi, c'est le même constat dont nous n'arrivons pas à tirer profit sur le plan de recettes non plus. Et comme je l'ai dit, un effort doit être fourni à cet égard. Nous avons examiné le projet de décret portant création du comité de suivi des activités de la sous-traitance. Une semaine après avoir déposé son mémorandum sur le développement de leur province auprès du Premier ministre, les caucus des députés et sénateurs d'Itanganyika est revenu à la primature le 13 novembre pour des réponses claires. Ces échanges ont eu lieu en présence des ministres sectoriels concernés et certains directeurs généraux des entreprises publiques. Bien avant l'escorte vierge entre le léopard de la RDC et le panthère du Gabon, le Premier ministre a rendu visite au 11 national au stade des Martyrs pour encouragement et motivation dans le cadre du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des football Cameroun 2020. La Suède soutient les opérations militaires menées contre les groupes armés dans l'est de la RDC et la politique du gouvernement de lutte contre la corruption et l'impunité. C'est ce qu'a affirmé Peter Eriksson, ministre suédois chargé de la coopération internationale au développement, reçu par le Premier ministre le jeudi 14 novembre. Enfin, mission à Kinshasa, la délégation du Fonds monétaire international, conduite par Mauricio Villafuerte, est venue faire le rapport de sa mission au chef de l'exécutif central, ce après avoir conclu un accord avec le gouvernement sur l'octroi des crédits à la RDC. Cet accord devait être confirmé par notre administration. Et le plan maintenant, c'est de présenter cette requête pour la facilité rapide des crédits à mi-décembre prochain. La semaine du Premier ministre a été bouclée par le Conseil des ministres qui a planché sur plusieurs dossiers d'intérêt national. Régie financière à présent avec 5720 douaniers, la direction générale des accises DGDA est résolument engagée dans la mobilisation des recettes douanières et accisiennes conformément à ses trois missions fiscales, économiques et sécuritaires avec le dépôt du projet du budget de l'État pour l'exercice 2020 à l'Assemblée nationale. La DGDA affûte déjà ses armes pour mobiliser le maximum des recettes pour le compte général du Trésor public. Je vous laisse suivre le projection de mobilisation des recettes faites par Deo Ruguiza Maguera, directeur général des douanes et accises, dans cet extrait de l'interview que notre équipe de reportage a réalisé dernièrement avec lui. Nous avons une mission que le gouvernement nous a confiée, c'est de mobiliser les recettes de l'État pour permettre au gouvernement de remplir un certain nombre d'obligations et de répondre aux attentes de la population. Donc, nous sommes engagés résolument dans l'accomplissement de cette mission. Elle est triple, cette mission. Elle est fiscale, elle est également économique, mais aussi sécuritaire. Et tous les douaniers, nous sommes au total à 5720, sur l'étendue du territoire national, tous les douaniers sont conscients de cette noble tâche. Les éloges dont vous parlez, écoutez, je pense que les auteurs mènent des enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe ici. Et nous en sommes donc fiers et c'est encourageant. Il y a quelques années, une opinion circulait autour du douanier. Le douanier était considéré comme la personne responsable des difficultés que connaît la population. Aujourd'hui, je pense que l'image du douanier n'est plus celle-là.
Nous sommes trois régies, au fait. Il y a la direction générale des douanes et accises, il y a la direction des impôts, il y a également la DGRAD. Donc ce sont ces trois régies financières qui ont pour mission de mobiliser les recettes de l'État. Et nous pensons que les unes et les autres le font, chacune bien sûr à sa manière. Le conseil que je peux donner aux autres, c'est d'appliquer les règlements et les lois. Rien que ça. Parce que nous sommes régis par des règles. Si donc ces trois régies ensemble s'acquittent de ce devoir-là, en principe, l'État devrait bénéficier des moyens pour accomplir ses devoirs vis-à-vis de la population. Mais ceci concerne également toutes les entreprises publiques par exemple, les sociétés commerciales. Il faudrait qu'à la fin de chaque exercice, chacune de ces entreprises, chacun de ces services puisse apporter des dividendes à l'État. Quand on est propriétaire d'une entreprise, c'est pour engranger des bénéfices à la fin de l'exercice. Donc il faudrait qu'à ce niveau aussi, au niveau du portefeuille qui encadre ces entreprises, il y ait des efforts. Parce que souvent, on ne regarde que l'énergie financière comme si l'État n'avait que ces trois structures. Il y a des entreprises publiques. À ce niveau aussi, il faudrait que chacun y mette du sien et rende compte à l'État. Si à la fin de l'année, vous n'apportez pas de dividendes au trésor public, on peut se poser des questions. Quelle est la raison d'être alors de ces entreprises? Donc, le conseil que je donne, c'est que chacun fasse correctement son travail et rende compte surtout des missions qui lui sont assignées. Un communiqué de la douane congolaise avant de passer à autre chose. Il est porté à la connaissance des usagers de la douane qu'il sera bientôt procédé aux travaux d'entretien des serveurs de la DGDA. Ainsi, des perturbations pourront être constatées dans le fonctionnement de son système de dédouanement pendant la durée de ces travaux qui auront lieu suivant le programme ci-après. Le 16 et 17 novembre 2019, de 9h à 16h, le 23 et 24 novembre 2019, de 9h à 16h, le 30 novembre et 1er décembre 2019, de 9h à 16h, le 7 et 8 décembre 2019, de 9h à 16h. La DGDA présente ses excuses aux usagers de la douane pour le désagrément que pourrait causer ce travaux. Communiqué signé Deor Guizamagera, directeur général des douanes et accises. Vous le savez peut-être, le code minier révisé apporte déjà des fruits avec l'augmentation sensible des recettes relevant de ce secteur. Mais quels sont les actes générateurs du dit secteur encadrés et ordonnancés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD? La réponse avec Michel Wangui-Lokwa. Redevance pour l'agrément des comptoirs d'achat et vente des substances minérales. Redevance pour acheteurs supplémentaires.